Dans le secteur courrier-colis, il y a du personnel, donc, qui peut être fonctionnaire, enfin, les derniers dinosaures, puisqu'il n'y en aura vraiment plus lorsqu'une génération partira, et de nouveau entrant sous CDD, sous contrat à durée indéterminée, et à l'avenir sous d'autres types de contrats, qu'on appelle les contrats à durée intérimaire, les CDI intérimaires. Le courrier, qu'est-ce que c'est? Pour un facteur, c'est arriver dans un centre, comme la PPDC de Fargues, de recevoir du courrier de la PIC, qui est à Bordeaux, de traiter ce courrier le matin, à 7h du matin, c'est-à-dire faire un tri général, les facteurs classent par commune ou par tournée. Ensuite, ils relèvent le courrier qu'ils ont classé, par tournée, se dirigent vers leur position de travail, que l'on appelle joliment des CHM. Ce sont des grands, si vous avez jamais vu, ce sont des... Comment on peut l'appeler ça? Des grands casiers, voilà. Avec des petites fentes, et on met les lettres par usager. Pour le courrier actuellement, la mission de la Poste, c'est de vous livrer le courrier du lundi au samedi, courrier recommandé. Le futur, par la nouvelle réorganisation, va changer cela. Quel va être l'impact sur vos vies, sur ce qui va se produire, sur les courriers que vous attendez, que vous êtes en droit de recevoir journalièrement, hein, que ce soit, si vous avez des choses importantes, est-ce que vous le recevrez le jour même, le lendemain, deux jours après, trois jours, le matin, l'après-midi? Pour l'instant, nous n'avons pas vraiment de réponse. Elles vous seront apportées peut-être par les représentants de FO, de la CGT et de Sud ici présents. S'ils ont des réponses, puisque nous, actuellement, nous n'en avons pas. Dans l'avenir, il va y avoir donc une tournée le matin, une tournée l'après-midi. Pour pouvoir faire cela, il va falloir regrouper des tournées, donc diviser le personnel par à peu près deux. Les personnels qui vont faire ces tournées auront donc une coupure entre midi et deux. Et le courrier qui actuellement, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué, actuellement vous avez un jour ou deux où vous n'avez pas de courrier. Et le troisième jour, vous avez cinq ou six lettres d'un coup. C'est ce qu'on appelle la distri pilotée. C'est ce qui met en préparation ces fameuses tournées du matin et de l'après-midi. En fait, il y a une rétention du courrier qui se fait dans les centres de tri. Sur ces fameux casiers de tri, donc on a des lignes, on va dire. Donc le lundi, on va avoir les deux lignes du haut avec le courrier pour tout le monde. Et les deux lignes du bas, il n'y aura pas de courrier. Ce qui nous fait évidemment gagner beaucoup de temps. Ce en quoi ils vont pouvoir diviser les tournées par deux, puisque en bas, il n'y a pratiquement pas de courrier, donc on va vous dire, eh bien, puisqu'il n'y a pas de courrier, eh bien, elle va passer l'après-midi. Comme ça, l'après-midi, vous ferez en plus des services à la personne ou tous les nouveaux services qui arrivent. Et concrètement, ça veut dire que dans très peu de temps, vous aurez votre courrier un jour sur deux, si vous avez de la chance. Ce sera surtout un jour sur trois. Ce sera peut-être pas le matin, ce sera peut-être l'après-midi, peut-être ce sera une fois le matin, une fois l'après-midi. On ne sait pas encore comment ils vont s'organiser. Ça, c'est pour l'instant, c'est top secret. On a aucune info là-dessus. Et ça veut dire qu'il y aura trois catégories d'usagers. Il y aura celui qui paye, comme aujourd'hui actuellement, les entreprises qui ont les moyens, qui payent un service particulier pour avoir le courrier livré le matin entre 8h et 10h. Donc, cela paye actuellement son service le matin en priorité. C'est un service qui se fait payer. Ensuite, il y aura toute l'autre catégorie de population, je pense, qui sera alors les artisans, les professions libérales, tous ceux qui reçoivent vraiment beaucoup de courriers régulièrement, constamment, qu'on peut pas étaler sur un jour ou deux. Et après, il y aura les gens comme vous et moi qui reçoivent leur relevé de compte, la carte d'anniversaire, la facture EDF, les poubelles, etc. C'est donc du courrier qui n'est pas urgent, que vous le receviez le lundi ou le vendredi. Pour la poste, ce n'est pas du courrier urgent. Donc voilà, cette troisième catégorie de personnes ne sera plus servie comme le service public l'entend, c'est-à-dire tous les jours du lundi au samedi.
on priorise tout ce qui va rapporter de l'argent. On doit rapporter des sous. Voilà. Alors, sous prétexte que le courrier baisse, voilà, ils prennent ce prétexte-là pour dire que, ben, comme le courrier baisse, on va couper les tournées en morceaux, on va en faire une le matin, une l'après-midi, on va supprimer du personnel, on va supprimer du poste de travail. Comme ça, au fil du temps, très rapidement, ben, les fonctionnaires, il n'y en aura plus. Les CDI, ils en font de moins en moins, ils ne veulent plus en faire. Ils veulent faire des CDI intérimaires qui sont des CDI sur 3 ans maximum. Et sachant que les réorgs ont lieu tous les 2 ans et qu'on supprime du personnel tous les 2 ans, eh bien, on ne rembauchera pas ces CDI intérimaires. Donc, ça fait encore des gens en précarité. Et je voulais rajouter quoi ? Donc, la précarité, oui, pour tout le nouveau personnel de la Poste qui va devenir plus des facteurs, comme on l'entendait et comme on l'entend encore aujourd'hui, nous, anciens facteurs, et même les nouveaux, la nouvelle génération ne comprend pas ce qui lui arrive. Il va falloir aussi concrètement que vous vous mettiez en tête qu'il n'y aura plus de facteurs attitrés à votre tournée. Ils veulent plus de ça, ils veulent que tout le monde sache tout faire. Sauf qu'il est impossible pour un facteur d'apprendre une tournée en 2 jours. Certes, en plus, la plupart de ces tournées seront dites en sacoche, ça veut dire que ce ne sera plus le facteur qui va trier sa propre tournée, ce sera quelqu'un d'autre qui va la préparer, qui va la trier, mais ce quelqu'un ne la connaît pas, ne connaît pas les particularités de terrain, ne connaît pas les homonymes. Parce que des homonymes dans notre région, il y en a beaucoup. Alors, il y en a un qui habite au 2 La Motte et l'autre qui habite au 8 La Motte, mais bon, s'il n'y a pas le prénom ou s'il n'y a que l'initiale, nous, facteurs qui faisons notre tournée depuis des années, on sait qui c'est, on sait où le mettre. Voilà. Quand ce sera des gens qui vont être là avec le GPS, on va leur dire, tiens, tu prends cette tournée, tu vas, on met le GPS en route et tu distribues. Ça va devenir ça, le métier de facteur. Ça veut dire que tout le monde pourra le faire sur le papier, mais dans la réalité, je pense qu'il va y avoir de gros problèmes. Vous n'allez pas être content. Déjà, vous avez remarqué que quand il y a des remplaçants, il y a plus d'erreurs que quand c'est un titulaire. Parce que ce pauvre remplaçant, on lui demande d'apprendre 12 tournées en 10 jours, en le formant 2 jours sur une tournée qui fait 120 km avec de la campagne comme par chez nous. Donc, c'est humainement pas possible. Voilà, vous avez des... Enfin, je ne sais pas quoi rajouter. Je vous ai fait un tableau un peu noir, Ce service-là, de veiller sur mes parents, crée un précédent. Jusqu'à maintenant, dans ses attributions, le facteur n'avait pas le droit de rentrer chez vous. Le facteur, il était sur le pas de la porte pour vous faire signer un recommandé. Il ne rentrait pas chez vous. Avec ce service, on introduit le facteur chez vous. Sans aucune jurisprudence, sans aucune trace juridique, rien du tout. Deuxièmement, il faut bien savoir que le facteur, il est juste là pour vous poser 3 questions. Ça coûte je ne sais plus combien par visite. Hein. C'est tout. 139,99€ et 6 visites. Combien ? 139,99€ et 6 visites. Voilà. Voilà. Donc, ça coûte cette somme-là. 5 minutes. C'est un travail, comme a expliqué Anadette, que les facteurs faisaient avant gratuitement. Et aujourd'hui, le facteur, c'est tout ce qu'il a à faire. Vous posez 3 questions, appuyez sur un bouton pour envoyer au client qui a commandé ça, ben, pour lui répondre les réponses que vous avez dans nos questions, et donc mettre en commentaire, la personne va bien. Votre grand-tante va bien, votre grand-mère va bien, votre bisaïeul va bien, c'est tout. Mais il ne peut pas vous toucher. On a une factrice là, de Pessac, qui est allée, qui est rentrée. Elle avait l'habitude, heureusement c'est la titulaire de la tournée, elle connaissait bien la personne. La personne ne répondait pas. Quand elle, comme elle sait qu'elle arrive à telle heure, elle avait ouvert, elle était sur les toilettes. Elle était tombée des toilettes, par terre. Elle a voulu la ramasser. C'est interdit au facteur de toucher à la personne. Dans ces cas-là, il sort son téléphone. Et il appelle le SAMU. Et il regarde la personne comme ça par terre, il lui parle, gentiment, mais il n'a pas le droit de la toucher. Et elle, ce qu'elle a fait, le premier réflexe, qui est un réflexe humain, c'est de se baisser pour essayer de relever la dame, et c'est là où elle est restée coincée, elle s'est fait lumbago, et donc le SAMU est venu pour 2 personnes. Non, mais attendez, c'est qu'elle a voulu faire passer ça, la problématique, c'est qu'elle a voulu faire passer ça en accident de travail, parce que ça en était un, le fait de s'être blessée pendant son travail, sauf que ben, son chef lui a dit, si je déclare un accident du travail, je te mets derrière une sanction, parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas le droit de faire. Voilà. Voilà le choix, voilà 6 bilans dans lesquels se retrouvent les facteurs maintenant.
Donc voilà. Et alors, dernière chose que je voulais vous dire, puis ça tombe bien, hier j'étais dans une réunion à Bordeaux avec la direction. Ce qu'ils n'arrêtent pas de nous rabâcher dans les oreilles, c'est maintenant les facteurs, il faut qu'ils soient le plus longtemps possible au contact de la population, enfin des clients, pour vendre. On n'est plus là pour distribuer du courrier, on est là pour vendre. Après cette longue période de résistance maintenant, qui est la vôtre, parce qu'on peut parler de résistance, moi je pense qu'il faut que vous fassiez un effort sur le terrain de plus pour vraiment qu'il y ait une prise en charge déjà par les élus. Et moi je vous suggère, ça m'est venu en vous écoutant là, tout de suite, moi je vous suggère précisément, si vous avez un comité représentatif, etc., de demander tout simplement à la communauté de communes, au président de la communauté de communes du Réolais en particulier, moi je ne peux parler qu'au nom du Réolais en Sud-Gironde, hein, c'est d'être reçu et de venir présenter votre combat devant le bureau des maires. Moi je peux vous assurer que je ferai le nécessaire aussi pour que vous soyez reçu. Ça représente quand même 41 communes, hein, ça fait 41 maires. Je peux vous dire que lorsque ça a été évoqué par vos collègues réolais, il y a eu une certaine écoute. Et je dirais à l'appui de ça, c'est que nous avons l'habitude, nous avons enclenché maintenant, réussi à ce que, quand des services publics sont menacés, hein, d'évoquer dans cette instance-là, d'évoquer ces combats pour la défense des services publics. Alors c'est pas facile parce que c'est un conseil communautaire qui est composé de, bien sûr, de toutes les tendances, de certains qui ne partagent pas forcément la défense des services publics. Mais néanmoins le débat a lieu. Monsieur Marty a reçu les syndicats il y a 7 mois. On les a bien reçus. Le problème, maintenant, je lui demande une date pour qu'il nous reçoive, pour informer nos usagers dans le Réolais de ce qui se passe chez nous et sur la Langon. Le problème de Monsieur Marty, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore un rendez-vous qu'il m'a proposé. Ah oui, donc j'estime que nos maires ne se battent pas assez pour nous. Donc on a essayé de faire ce collectif de convergence des luttes pour essayer de parler à tous les gens qui sont autour de nous de ce qui se passe en ce moment. Et donc, comme disait Pierre-Alain, on a programmé de faire une réunion publique à Saint-Macaire. À Saint-Macaire le 19 juin. Et on aimerait bien avoir, on aura très certainement des représentants des postiers, on espère avoir des représentants des cheminots, des hôpitaux, de l'éducation, etc., pour essayer de montrer un petit peu la cohérence de toutes ces attaques à notre modeste niveau, hein, on n'est pas non plus, pour essayer un petit peu de sensibiliser entre nous. Et d'essayer de voir aussi en Sud-Gironde ce qu'on peut faire à notre modeste échelle. Après, la lutte des postiers, la lutte des cheminots, la lutte de l'éducation nationale, la lutte des Ford, la lutte de l'éducation nationale, des EHPAD, de la santé, des hospitaliers, c'est exactement la même. Ce sont contre les mêmes personnes que nous nous battons tous, toutes et tous. Donc c'est la lutte, la convergence des secteurs en lutte, mais la lutte c'est la même pour tout le monde.